Et salut tout le monde, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour la suite d'Harry Potter à l'école des sorciers sur PlayStation 2. Après avoir fait une journée qui était essentiellement bien sûr constituée d'un gros défi de sortilège, hein, qui était donc le défi d'Incendio, on a donc pu bien sûr obtenir le dernier sort du jeu. On a donc désormais tous les sorts, et ça c'est quand même assez classe. On va donc entamer aujourd'hui une nouvelle nuit à Poudlard qui, comme je vous l'avais déjà dit la dernière fois, sera déjà assez courte. Et on va justement voir en quoi ça va un peu consister, hein. Donc on va descendre et puis vous allez voir ça. Cher Harry, j'ai entendu dire que le professeur Rogue t'avait demandé de trouver de la rosée de lune pour son cours de potion. Je n'arrive pas à le croire. La rosée de lune n'apparaît que la nuit au cœur de la forêt interdite, où il est dangereux d'aller pour un premier année. Retrouve-moi ce soir dans le jardin et je t'emmènerai là où elle pousse en toute sécurité. Hagrid. Donc voilà, vous l'avez compris, hein, ça va donc consister à récupérer l'un des trois ingrédients hein, pour l'antidote des poisons courants. Par contre, on va y aller tout seul, hein. Eux, ils vont servir à rien. Voilà, merci. Merci Hermione. Donc on va y aller sans plus tarder. Donc on va devoir, donc vous l'aurez compris, aller dans la forêt interdite pour récupérer cet ingrédient. C'est pour ça que je vous avais dit hein, que l'un de ces ingrédients parmi les trois était un peu spécial, étant donné qu'on le récupérera que pendant cette nuit. On voit Peeves qui passe. Bon, par contre, vous avez vu qu'on a un préfet qui apparaît maintenant ici. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'attirer là. J'espère qu'il n'y a personne, sinon... Comme ça, on va passer tranquillou. Quoi ? Hey, toi ! Bon, bah de toute façon, on est passé, donc j'ai envie de dire Osef. Donc là, effectivement, on va devoir aller dans le parc, hein, sachant qu'il fait nuit. Et donc là, la nouveauté, c'est qu'on a, en plus d'avoir un préfet qui surveille au 7ème étage, on va devoir passer aussi le hall d'entrée. Et le parc, parce que dans le parc aussi, on aura des préfets. Oui, vous allez me dire au premier abord, bon, bah on va aller dans la forêt interdite. C'est cool, la forêt interdite, hein, je vous rappelle, pour ceux qui connaissent, on va dire, par exemple, la version PlayStation 1, que la phase dans la forêt interdite, elle était pas si mal, sincèrement. En tout cas, même moi, à l'époque, quand j'étais plus jeune, c'était quelque chose qui m'avait assez impressionné. Je peux vous dire que d'avance, que sur PS2, ça va pas être si impressionnant. Alors, on va attendre que les deux préfets se cassent. Il y en a un qui va partir à droite, l'un à gauche. Et on va foncer. Y a quelqu'un là en bas. J'espère que ça va passer. Oui, sans problème. Bon. C'est vrai que c'est con parce qu'on a certes plusieurs préfets qui surveillent, mais je vous jure que l'infiltration dans ce jeu, ça va, mais qu'est-ce que c'est beaucoup plus stressant dans la chambre des secrets. Oh la vache. Je vous jure, dans la chambre des secrets, sachant que vous perdez des points, hein, bien sûr, si vous vous faites prendre, c'est beaucoup plus flippant. Donc là, pareil, hein, ça se voyait pas, mais on a des préfets, hein, là, on en voit un là-bas. Si je vais par là, je pense pas qu'il y a moyen que je me fasse choper. À moins qu'il y en ait un qui surveille genre juste derrière. Oh, comment ça rame. Ok, bon, j'ai perdu un peu de vie, mais c'est pas grave, au moins on contourne et il n'y a pas de danger. Donc, direction... la cabane de Hagrid, en plus il nous attend devant, donc c'est parfait. On a évité tous les préfets. Bon, en même temps c'était pas si compliqué que ça. Donc allons le voir. C'est toi Harry. Dépêche-toi, j'ai hâte de commencer. Très bien. Et maintenant, écoute-moi bien, parce que c'est dangereux ce que nous allons faire cette nuit. Je ne veux pas que tu prennes de risques. Il y a dans les environs une licorne qui a été gravement blessée par je ne sais quoi. C'est la deuxième fois cette semaine. J'en ai trouvé une morte mercredi dernier. Est-ce qu'un loup-garou pourrait tuer une licorne? Il ne serait pas assez rapide. Les licornes sont des créatures au pouvoir magique très puissant. Avant ça, je savais pas qu'on pouvait blesser une licorne. Et si le je ne sais quoi qui a blessé la licorne nous trouve avant? Tant que tu seras avec moi, rien de ce qui vit dans cette forêt ne pourra te faire de mal. Très bien. Suis-moi. Donc voilà, Harry qui nous parle donc d'une licorne hein, qui aurait été effectivement, qui se trouve dans la forêt interdite, hein, blessée. Évidemment, ça rejoint ce qui se fait dans le livre et dans le film, hein, c'est-à-dire qu'on a évidemment cette scène dans la forêt interdite où on a pour mission de retrouver une licorne.
Bon, là, ça va être pareil aussi à peu près, même si faut pas oublier la rosée de lune hein, qu'on va devoir récupérer. Mais bon, de toute façon, je vous l'ai dit, c'est une phase que je trouve quand même assez décevante. Hein. Malheureusement, la forêt interdite dans ce jeu. Alors d'ailleurs, regardez, vous allez voir, ça va être marrant. Oh bah le pauvre il est bloqué. Non, voilà, quand on arrive ici, on a un grid qui apparaît devant nous et tant qu'on bouge pas, il reste bloqué comme un con. Bon allez, on va le laisser tranquille. Donc voilà, on se retrouve ici. Alors bien sûr, on va pas s'occuper des autres passages. De toute façon, on peut pas y accéder. Donc on va directement suivre Hagrid par cette porte, hein, qui, comme vous pouvez le voir, cette fois est accessible, hein, spécialement pour cette phase dans la forêt interdite. Donc oui, cette porte, en fait, elle mène directement dans la forêt interdite comme ça. Pourquoi pas, hein. En tout cas, bah, on y est. Donc là, par contre, on a Hagrid qui reste ici. Alors d'ailleurs, on peut pas lui parler. Ah si. Reste sur tes gardes, Harry. On ne sait jamais sur quoi on peut tomber pendant la nuit. Merci pour le conseil. La caméra. Donc ici, pour le moment, une clairière vide. On s'en bat les couilles. Hein. Donc là, bah, on va devoir se démerder tout seul, hein, malheureusement, pour la suite. Donc déjà, on va se débarrasser de ces champignons. Oh, quoique. Oh, c'est bon, je peux passer. Et donc là, on va arriver dans cette zone. Et ici, on va déjà lâcher. Et là, regardez ce qu'on va avoir. Oh, des cynospectres. Que ça fait peur. Et ben, on va s'occuper d'eux. Hein. On va équiper, bien sûr, notre cher Lumos. D'ailleurs, je vais peut-être mettre aussi Crackbadaboom ici. On sait jamais. Bon, les cynospectres, évidemment, ça va être plus chiant. Hein. Voilà, je me suis déjà fait avoir une fois. On a vu ça lors du défi de Crackbadaboom. Hein. C'est beaucoup plus réactif que des fantômes, ces machins-là. Et c'est surtout plus résistant. Oh putain, mais laissez-moi charger mon Lumos, quoi. Allez. Voilà, celui-là c'est bon. Il a réussi à se prendre des dégâts. Oh mais, oh putain. Ça, j'ai horreur quand il me fonce dessus comme ça. C'est horrible. Enfoiré de Klebs. Oh putain, alors ça, j'ai horreur aussi. Quand ils font genre, ils prennent des dégâts, mais leur santé ne baisse pas. C'est horrible. Allez! Oh, sérieux, quoi. Surtout qu'il est vraiment nécessaire qu'il reste longtemps dans la lumière pour qu'il prenne les dégâts, quoi. Ah, là, c'est bon. J'ai réussi à bien enchaîner. Là. Attention. Wow. Ils nous font des moonwalks. Je sais pas si vous avez vu. Ok. Bon, lui, je pense qu'il lui reste encore peut-être un coup. Quoi? T'as encore de la vie? Ah, quand même. Bon, voilà, on a réussi. On va se soigner. Et maintenant, bah, on va passer tout simplement par ce passage. Qui est d'ailleurs le seul ici, hein, je crois. Hein, y a pas d'autre truc. Bon, bah voilà, on a réussi à se débarrasser d'eux sans trop de problèmes, on va dire. On va maintenant ramper par là. On arrive ici, et là, regardez ce qu'on va trouver. Et bah la rosée de lune. Je veux dire, on a juste battu deux cynospectres. Et c'est bon, on a déjà la rosée de lune. Enfin, voilà, quand je vous disais, en fait, ce qui est vraiment nul, c'est que c'est très très court, en fait, la phase de la forêt interdite. Donc là, le délire, c'est qu'après... Alors, j'ai quand même allumé... Voilà, Lumos. C'est que là, du coup, on va vite retrouver Hagrid, hein, le coffre en or, bien sûr, je m'en fous. Et voilà. C'est tout ce qu'il y a à faire, techniquement. Bon, cela dit, on a quand même ce qui va arriver après, vous allez voir où va y avoir quelque chose. Hein. Mais voilà, sinon, la rosée de lune, c'est pas bien compliqué de l'avoir, quoi. C'est bien dommage. Bon, on va retourner voir Hagrid et puis on va voir ce qui se passe. Ou pas. Il me semblait qu'il y avait un truc qui apparaissait ici. C'est chelou. What? Je comprends pas. Ah bah si, je suis Hagrid, il est là. Oh, quel débile. Bon bref, on va le retrouver et puis on va voir ce qui va se passer. Tout va bien, Harry?
La licorne, elle est morte, Hagrid. Elle est dans la clairière, là-bas. Qu'est-ce que c'était, cette chose? Une créature monstrueuse. Tuer une licorne est un acte abominable. Boire du sang de licorne permet de survivre, même si on est sur le point de mourir. Mais le prix à payer est terrible. Car on a tué un être si pur qu'à l'instant même où le sang touche les lèvres, on n'a plus qu'une demi-vie. Une vie maudite. Mais qui pourrait vouloir d'une telle vie? Ça te fait penser à personne. Certains disent qu'il est mort. Foutaise! Je crois pas qu'il était assez humain pour mourir. Vous voulez dire que cette créature qui a tué la licorne et qui buvait son sang, c'était Voldemort? Je dirai rien. Allons-y. Donc voilà. On a donc cette fameuse licorne hein, dont parlait Hagrid qui est apparue ici. Hein, dans cette clairière. Clairière qui était d'ailleurs complètement vide hein, il y a 2 minutes. Hein, mais bon. Voilà. Et c'est donc, alors déjà, énorme différence bien sûr par rapport au livre et au film, c'est que déjà, le fameux centaure Firenze, qui normalement à ce moment-là est censé sauver Harry, il apparaît absolument pas. Hein, donc voilà, c'est Hagrid hein, qui du coup est le remplaçant, hein, obtient le rôle de remplaçant, et qui nous a donc parlé voilà, de cet homme, cette créature là, qui buvait effectivement le sang de cette licorne. Et il pourrait s'agir donc de Voldemort, hein, celui dont on ne doit pas prononcer le nom, qui, je vous rappelle, évidemment, a été réduit quasiment à néant après que le sortilège qui aurait dû tuer Harry s'est retourné contre lui. Donc voilà, donc comment dire que si je vais... Voilà, regardez, terminer la nuit. On a déjà fini. C'est ultra court et... Je sais pas, c'est... On dirait qu'ils ont... On va dire que dans cette version PS2, ce que je trouve dommage, c'est que cette phase de la forêt interdite, ils l'ont vraiment placée là, mais genre de manière random, et genre ça a été vraiment bâclé. On est d'accord. Parce que déjà la rosée de lune, on l'a récupérée ultra facilement, hein, on a juste battu 2 petits cynospectres de rien du tout, et puis voilà. Et puis on a voilà cette licorne qui apparaît, voilà, bon, c'est sûr, ça suit le livre et le film, mais bon, ça arrive comme ça... sans trop... enfin voilà, c'est pas bien fait quoi, c'est dommage. C'est vraiment l'un des trucs qui m'a le plus déçu dans cette version du premier Harry Potter. Bon, dans tous les cas, on a notre ingrédient spécial, bien sûr on va devoir récupérer les 2 autres, et d'ailleurs on va s'en charger, hein, parce que très... Voilà, on va pas s'arrêter ici quand même, la vidéo serait trop courte. Donc on va commencer directement la journée suivante, je vous propose. Qui va consister dans un premier temps à aller récupérer les 2 derniers ingrédients qui nous manquent pour le cours de potion, parce qu'on est censé normalement aller au cours de potion au début de cette journée, mais on va pas pouvoir vraiment, hein, je pense que vous savez pourquoi. Alors c'est normal. Donc on va rejoindre Ron qui nous attend normalement en bas. En ce moment, si je comprends bien, tu sais qui est là-bas, dans la forêt. Oui, mais il est faible, il survit grâce aux licornes. Mais s'il réapparaît, tu ne crois pas qu'il va... essayer de te tuer? S'il en avait eu la possibilité, je pense qu'il m'aurait tué cette nuit. Et moi, quand je pense que je m'inquiétais pour mon cours de potion, on doit apprendre à créer l'antidote pour les poisons courants. J'espère que t'as trouvé tous les ingrédients. Pas vraiment. Donc évidemment, on va pas pouvoir aller au cours de potion sans tous les ingrédients. Donc ce que je vais faire, c'est qu'on va foncer directement au jardin de Hagrid. Donc évidemment, cette histoire avec Voldemort, hein, on va y revenir dessus plus tard, hein, c'est pas pour rien qu'il y a quand même eu ça. Mais bon, bref, pour dire qu'encore une fois, cette phase dans la forêt interdite, genre merde quoi. Pourquoi c'est aussi court, aussi bâclé dans cette version PS2? Bon, de toute façon, cette version elle est aussi un peu sortie, aussi un peu en catastrophe. Hein. Faut le savoir, donc c'est normal que malheureusement il y ait des choses qui soient pas parfaites du tout. Bref. De toute façon, ça c'est fait, donc on va se diriger non pas vers les cachots, mais vers le parc, et donc plus précisément vers les jardins de Hagrid. Et puis on va aller récupérer comme ça nos 2 derniers ingrédients. Maintenant que nous avons tous les sortilèges pour ça. Ok, on y est, donc maintenant il nous reste donc plus que ces 2 passages. Hein. Donc on va commencer par celui-ci, hein, qu'on va ouvrir avec le crack de nuit. Il a mis un peu de temps à descendre le rideau. Alors il me semble que celui qu'on va récupérer là, c'est pas très compliqué.
C'est celui qu'on va récupérer par contre en dernier, hein, le dernier ingrédient qui va être assez chiant, notamment à cause des ennemis. Enfin, un en particulier. Donc, un fouillot broutille, on va récupérer ça. Alors, Veracras, créature épaisse et marron qui peut atteindre 25 cm de long, ses deux extrémités produisent un mucus utilisé pour épaissir les potions. Il se nourrit de tout type de plantes, avec une nette préférence pour la laitue. Donc déjà, ça ressemble à rien d'autre à part un verre dégueulasse, évidemment. Oh, encore une page du fouillot broutille. Alors, le poule piqué est couvert d'épais poils noirs, bon, ça évidemment on le connaît. Il possède une seconde paire de bras et de jambes ainsi qu'une double rangée de dents acérées et empoisonnées. Un antidote doit être pris en cas de morsure et un flipendo permet de le tenir à distance. Bon, ça de toute façon, le poule piqué, on le connaît depuis un petit moment dans ce jeu. Donc c'est pas une surprise. Donc le Veracras, c'est justement voilà le mucus de Veracras qu'on va récupérer dans cette partie. Alors sachant que là, la particularité de cette zone dans laquelle on est, c'est que là, on est à un étage. Donc c'est ici qu'on va récupérer l'ingrédient, donc le fameux mucus de Veracras. Et tout ce qui est en bas de cette zone, ça sera pour le dernier ingrédient. Donc voilà, tout va se faire dans la même zone en fait. Donc déjà je vais m'occuper des boules piquées. Pour une fois celui-là il a réussi à le viser correctement. Par contre il est où là? Où es-tu poule piquée de mes deux? Bon déjà on en a d'autres là. Voilà. Et voilà. Ok. Ça ressemble à un Veracras. Donc là ici effectivement on a un symbole qui ressemble complètement d'ailleurs à un Veracras. Et justement de Veracras, et ben on en a un qui est là. Ça doit être un Veracras. Mais comment récupérer le mucus? Et ben ce qu'on va faire c'est qu'on va le forcer à aller sur la dalle en fait qu'on a vu tout à l'heure avec un Deflipendo. Alors faites attention à ne pas toucher le Veracras parce qu'il peut vous blesser. Juste en vous touchant, sachant qu'il ne fait absolument rien. Bah voilà, comme je viens de faire. Comme je suis con, évidemment, je le fais. Donc, le Veracras, à part ça, n'est absolument pas utile. Hein. Il est absolument même inoffensif en soi. Si on compte, on compte pas le fait qu'il nous fasse du dégât en nous touchant. Et donc là, en allant sur la dalle, ça active, vous voyez, un mécanisme qui est juste en dessous. Hein, qui est gardé d'ailleurs par des abor-esprits. Hein. Arbor esprit qui seront d'ailleurs tout aussi buggés que ceux qu'on aura déjà vaincus depuis le début de ce jeu. Donc on va s'occuper d'eux. Tiens d'ailleurs je vais juste ouvrir le coffre. Comme ça on va se soigner un peu. Un fondant du chaudron. Ouais, ça va nous faire gagner vachement de la vie ça. Allez, on va s'occuper de ces arbor esprits. Il y en a 3 et on en voyait 2 dans la scène cinématique, mais il y en a un troisième qui est apparu comme par magie. Wow, qu'est-ce que t'as toi? Voilà, normalement il va disparaître. Parfait. Alors, maintenant, on va s'occuper de ce mécanisme. Bon, ça va pas être très compliqué. Et là, attention, regardez ce que ça va faire. C'était un tout petit peu violent. Voilà. On a donc littéralement écrasé le Veracras. C'est magnifique. Mais bon, c'était le seul moyen d'obtenir ce fameux mucus. Hein. C'est un peu ragoûtant, hein, on va pas se mentir, mais... Au moins, on va pouvoir récupérer cet ingrédient. Bon, voilà, c'était pas très très long. Hein. Voilà, c'était assez rapide à récupérer celui-là. C'est surtout le dernier, hein, comme je vous l'ai dit, qui va être plus chiant. Alors voilà, bon, de toute façon, vous avez la description. De toute façon, ça va quitter automatiquement. On va quitter cette zone. Hein, parce que maintenant qu'on n'a plus rien à faire à cet étage, on va devoir aller en bas de cette zone. Et là, par contre, on va voir des choses. Donc, à savoir que le dernier ingrédient qu'on a récupéré, justement, ce sont les spores de Puffapod. Donc, Puffapod, ça va être, pareil, une créature qu'on va devoir, entre guillemets, se farcir pour avoir cet ingrédient, hein, à savoir ces fameux spores. Sachant que les Puffapod, encore une fois, c'est un peu comme les Veracras, c'est pas très dangereux, hein, si je peux dire. Allez, on retourne dans le hub, si on peut dire, du jardin. Et on va s'équiper maintenant du Incendio. Et on va allumer les deux... On va appeler ça des vasques, hein, même si je crois pas que ça s'appelle vraiment comme ça. Incendio. Comme ça, ça permet d'ouvrir la grille. Waouh. Allez, étape finale. Donc évidemment, bah, ce sera la dernière chose qu'on fera dans le jardin de Hagrid. Quelle tristesse. Bon, mais derrière, je trouve que c'est quand même assez sympa ce qu'on a... Pour récupérer ses ingrédients dans ce jeu. C'est assez sympa. Ah bah voilà. Alors, Puffapod, tu peux éliminer les Puffapod avec un Flipendo. Prends garde à leur spore et elle crée un nuage de fumée empoisonné. Donc voilà, bien sûr ça faut faire gaffe, mais comme je vous l'ai dit, à part ça, les Puffapod, c'est pas bien méchant.
Alors, oula, c'était rapide la phase de rampe. Alors, encore un coffre, je vais en profiter pour récupérer ce qu'il y a dedans. Un fondant du chaudron. On en a même un deuxième après. Hein. En général, quand on nous donne du soin, comme je vous l'ai dit, c'est jamais très très bon. Une pâte à citrouille. Mais comme ça, au moins, j'aurai la vie au max. Donc, je vais pas dire non. Alors, comme je vous l'ai dit, on est en bas. Ouais, bon, les dragées, je m'en fous. Ça tremble. Alors, les pufapodes, et ben les voici. Donc on va devoir les détruire pour récupérer les spores. Bien sûr, on ne peut pas. Hein. Là, pour le moment, ils sont inaccessibles. Donc là, justement, en fait, on va devoir passer plusieurs petites salles, entre guillemets, les unes après les autres. Donc on va justement, à chaque fois, devoir ouvrir l'accès. Là, je vous le dis, on a un passage secret avec un coffre. Voilà, donc si vous avez encore des cartes à récupérer à ce stade du jeu, bah, vous pouvez y aller. Moi, à la place, je vais passer par ici. Et là, on a des corrigans dont on va devoir s'occuper ici. Donc là, on en a carrément 3. Hein. Comme si c'était pas déjà assez chiant hein, quand on en a un ou deux. Et hop là. Bon, bah encore une fois, ils ont été complètement efficaces. Hein. Lol. Donc on va s'en occuper vite fait. Vite. J'aimerais moins récupérer 2 sur 3 en un coup. Ça, c'est bon. Ça se joue à rien. Hein. Des fois, ils sont à ça de me toucher. Hein. Donc hop, on le fout dans sa cage et donc ça ouvre l'accès à la zone suivante. Bon, c'est vrai que je vous avais parlé que les ennemis seraient un peu le truc gênant dans cette zone. Vous allez me dire des corrigans. Ouais, c'est sûr, pour le moment c'est le début. Hein. On va aller voir justement ce qu'il y a après. L'accès se referme. Bon, là c'est des gnomes. Encore une fois, vous allez me dire, c'est pas bien gênant les gnomes. Je dois trouver un endroit. Mais c'est vrai. Mettre ces gnomes. Bah, on va faire exactement la même chose que les dernières fois, hein, c'est-à-dire un trou. Putain, mais lui, il veut pas me lâcher ce con. Hein. Alors, c'est, des fois, il peut vous courir longtemps après comme ça. Putain, il a été. Il voulait absolument ma peau. Bon, bref. Comme à chaque fois, de toute façon, on va devoir les lancer dans ce trou. Et on va s'occuper des deux derniers avant qu'ils me fassent encore du mal. Bon, de toute façon, les dragées, à ce stade du jeu, je m'en fous. Hein. De toute façon, j'ai déjà toutes les cartes. Et j'avais déjà acheté toutes celles qui étaient vendues chez Freddy George. Sachant qu'il n'y en avait pas beaucoup. Bref. On va lancer le dernier, ça va ouvrir l'accès à la dernière... oui, déjà dernière salle, entre guillemets. Et là, par contre, on va monter d'un sérieux cran en termes de difficulté. Vous allez voir. Eh oui, c'est une tentacula vénéneuse. Ah bah oui, le retour. Eh bah, ça va être la même chose que lors du défi d'Incendio. Hein. Donc on va s'occuper de cette tentacula vénéneuse. On s'équipe des sorts qu'il faut. Et ça va être la même chose pour la vaincre. Hein. Putain. Alors, ce qui est plus compliqué ici, c'est que... Alors déjà, la caméra, quand elle filme l'arrière du mur, c'est chiant. Mais surtout, c'est plus petit. Donc vous voyez, on peut facilement se faire enchaîner comme ça. Par contre, j'aimerais que tu vises la tentacule. Merci. Parce que déjà, c'est suffisamment chiant de faire cet enchaînement 5 fois. Si en plus, c'est compliqué de le faire, c'est pas ouf. Heureusement, on a quand même un choco-grenouille au cas où. Allez, on est reparti. Oh putain, mais par contre, vous avez beau des fois le viser, des fois, il perd la visite directement. Ok. Ok. On y pense. Allez. Et nous. Ah, c'est bon, c'est sûr, en fait. Hein. Qu'est-ce que c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas. Ah, là, j'ai réussi à enchaîner. Ouf. Allez. Oh, c'est plus vite. Allez. Ok. Je sais plus, c'est un peu. Ouf. Bon, bah, encore un coup. Courage. Alors, là, c'est chiant. C'est vraiment quand il y a. Ah, ouais, par exemple, il a arrêté de dire. En parlant de ça, c'est qu'il sera impossible de s'y rendre quelque chose. Non, j'ai tendu vouloir, c'est toujours parce que j'ai pas posé, mais. C'est chiant. Allez, on va t'achever une bonne fois pour toute, saloperie. Eh ben, ça mérite un dab. Parce que c'est roulou à force. Bon, c'était le dernier obstacle, heureusement, avant d'atteindre les pufapodes. Donc, allons-y. Oui, on sait qu'il y a des pufapodes. Bon, ok, on a des poules piquées, mais on va s'en occuper vite fait. C'est pas bien gênant. Allez. Déjà, faut arriver à les viser aussi. Hop.
Wow, d'accord, lui il est parti, je ne sais où. Oh, saloperie. Ok, un de moins. Waouh, il y en a deux qui sont venus d'un coup là. Ok, le dernier. Ok, c'est bon. Ici on n'a rien. Bon, bah les Puffapod, on va tout simplement les détruire avec un Flipendo. Par contre, très important, on va attendre que les nuages de fumée s'évaporent. Parce que sinon, on va se faire un peu empoisonner, hein, vous voyez ce que je veux dire. Et on récupère après bah, les spores, comme ça. Par contre, faut bien faire attention à récupérer voilà, un spore par Puffapod, entre guillemets. Et maintenant, bah, ça y est, on a tous les ingrédients pour fabriquer l'antidote des poisons courants. Et donc, on a enfin terminé tous les... toutes les phases, on va dire, entre guillemets, qu'on aura à faire dans le jardin de Hagrid. Donc on n'y retournera plus, désormais. C'est triste, c'est très triste, je sais. Mais comme je l'avais dit déjà un peu vite fait tout à l'heure, je trouve que c'est quand même assez sympa ce qu'ils ont fait dans cette version. Hein. Le fait d'aller récupérer carrément des ingrédients de potions en faisant des petites phases comme ça. Avec des ennemis à vaincre et tout. C'est pas, je trouve pas ça non plus inutile, quoi. Preuve que dans ce jeu, il y a aussi des points plutôt sympathiques, hein. En plus des négatifs, mais bon. Donc voilà, je vais aller directement dans le parc, mais je pense que je vais pas m'arrêter devant la porte du cours de potions, parce que je vais m'arrêter là. Parce que mine de rien, c'était quand même voilà, plutôt long. Hein. De toute façon, je tenais pas à finir la vidéo juste après la forêt interdite, parce que sinon ça aurait été beaucoup trop court. Donc au moins, j'ai récupéré tous les ingrédients, donc ça c'est fait. Et bah du coup, comme je l'ai dit, on va s'arrêter là. Donc la prochaine fois, on continuera cette journée en enchaînant avec le cours de potions. Qui sera donc là vraiment le dernier cours, hein, tout court de ce jeu. Et on aura aussi quelque chose après, hein, vous verrez. On découvrira ça la prochaine fois. Bah écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, liker et à partager cette vidéo. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Et à me suivre sur les réseaux sur lesquels je suis inscrit. Tous les liens sont en description. Et puis, encore une fois, merci d'avoir regardé. Et puis je vous dis à très vite pour la suite d'Harry Potter à l'école des sorciers sur PlayStation 2. Allez, ciao tout le monde.